T'as choisi quoi comme statut pour ton entreprise? Il faut déjà répondre à la grande question. Quel est ton secteur d'activité? T'en as 4 en tout. L'activité artisanale, commerciale, industrielle et libérale. Quel statut choisir? Il en existe plein. Par exemple, en micro-entreprise, t'as un chiffre d'affaires maximum. Alors qu'en entreprise individuelle, il n'y a pas de plafond, mais ton patrimoine personnel est engagé. Il y a aussi le statut de SAS avec lequel tu peux rester indépendant, tout en bénéficiant de certains avantages des salariés, genre salaire ou note de frais. Je te conseille de bien te renseigner sur tous les statuts et de te faire accompagner.